Salut à tous, c'est Svertropsy, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce magnifique poste de police, hein, la suite du tuto. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est décoration extérieure et intérieure. Alors, j'ai fait hors caméra une petite route à l'endroit où on avait placé la route. Donc c'est les routes que je fais d'habitude. Donc elles ont 3 de large de trottoir, une rangée d'escalier, 3, une rangée de lignes blanches et noires, 3 de goudron. Une rangée d'escalier comme ceci. Voilà, vous avez qu'à les recopier si vous aimez ce type de route. Et donc, on va pouvoir s'attaquer justement à la décoration extérieure en premier. Alors, pour la décoration extérieure, on va utiliser des slaps, des l'andésite poli comme ceci, de l'herbe, mais bon, l'herbe, elle y est déjà, de la bonne mille. De la bonne mine, pardon. Et on va prendre quelques feuilles. Donc on va prendre les feuilles d'arbres normaux, les feuilles d'arbres de sapin et du spruce wood, des barrières en spruce wood et des barrières en dark wood. Donc première chose qu'on va faire, c'est relier la porte à notre petite chose ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une ligne d'andésite poli jusqu'à la route, entre les escaliers et la route. Et pareil ici. Parfait. Et entre deux, on va remplacer l'herbe par des dalles. Parfait. Ensuite, avec l'andésite poli, on va faire la même chose de ce côté, c'est-à-dire qu'on va tirer une ligne depuis l'angle du bâtiment jusqu'ici et au bord du trottoir, comme ça, pour départager une sorte de petit jardin ici. Pareil. Vous comptez 1, 2, 3, 4 et on va relier tout ça jusque là-bas. Parfait. Ensuite, vous prenez votre fence de dark wood, vous en mettez une ici, vous comptez 1, 2, 3, vous posez votre barrière en bois de sapin. Pareil ici. 2 ici et 1 ici. Parfait. Ensuite, vous les prolongez les deux de 1. Pareil ici. Et donc là, on va faire des petits arbres de décoration. Donc ça va être très simple. Le premier, ça sera un sapin. Donc vous ajoutez une feuille au-dessus. Voilà. Deux feuilles au-dessus comme ceci. Et vous faites un triangle comme ceci. Voilà. Voilà. Oula. Voilà. Triangle, 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 triangle. Ça vous fait un petit sapin comme ceci. Un sapin de taille réduite. On fait la même chose, c'est-à-dire... Pardon, petit bug de souris. Comme ceci. Donc 2, 2, 1 ici, 1 ici, 2, 2, 1 ici, 1 ici. Parfait. Ici, on va faire un arbre plutôt un chêne. Donc un arbre un peu en boule. Donc vous allez faire une croix. Et de chaque côté, vous allez rajouter en fait une croix. Dans ce genre-là. Donc c'est-à-dire comme ceci. Comme ceci. Une croix de ce côté-là et une croix de ce côté-là. Voilà, ça vous fait une autre sorte de petit arbre. Parfait. On refait la même chose de l'autre côté. Tac, tac, tac. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. La croix encore derrière. Pardon. J'aurais pas dû la poser là. Et donc, on a notre entrée qui a un peu plus de verdure qu'avant. Donc, on va même pouvoir poser un peu de bone meal pour rendre notre jardin plus naturel. Comme ceci. Parfait. Ensuite, ici, on va laisser comme ça pour le moment. Ici, on va tirer 3. Donc, la première en alignement avec ça. Et alors, ces 3-là, vous allez les prolonger. Je vais le faire hors caméra. Juste. Ici au bout. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc c'est-à-dire que toute cette zone-là, vous la remplacez avec de l'andésite et les deux lignes ici aussi et ici aussi. Voilà, tout ce qu'il y a là, en andésite. Parfait. Ensuite, vous allez prendre du quartz
des escaliers en quartz et vous allez poser ces escaliers en quartz juste ici. Juste à l'entrée comme ça. Pour signifier que le garage, quand il est baissé, en fait je vous dis des conneries, vous le mettez un en arrière. C'est bien ce que je me disais. Donc juste à l'endroit où le garage, quand il se referme, il tombe. Pour signifier un peu la place du garage quand il tombe. Et ça fait aussi une petite rigole où l'eau évite, pour que l'eau évite de rentrer dans le garage. Comme ceci. Et donc ici, tout l'espace qu'on a ici en herbe, on va le remplacer par des blocs noirs pour signifier le goudron. Donc moi je vais utiliser le bloc de coal. Et on va tout de suite enlever la pluie. Donc, hein. Donc tout ça en charbon. Enfin, on remplace l'herbe ici avec du bloc noir et ici avec de l'andésite. Et on va pas s'arrêter là parce que comme ça je vais pouvoir tout faire d'une traite. À partir d'ici, vous allez compter 16 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait. Et sur le 16e, on va voir si maintenant j'ai bien fait mes choses avec la route. Parfait. Alors, vous allez ici tirer une longue ligne. Voilà, jusqu'ici. Parfait. Et tout ce qu'il y a ici, entre ici et l'andésite, vous allez tout remplacer par votre bloc noir. Donc ça peut être un bloc de charbon, ça peut être de la laine noire, vraiment tout ce que vous voulez, du moment que ça fait du goudron. Voilà. Donc tout ça en goudron, les trois lignes en andésite ici. Et ça du goudron. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et re les amis, on se retrouve. Donc j'ai fait ce que je vous ai dit. Donc compléter un peu les zones. Et donc ben on va avoir plusieurs routes. Donc déjà ça on va pouvoir relancer, enfin prolonger jusqu'à la route. Donc on va faire quelque chose comme ça. En supprimant, en laissant des petites lignes comme ça pour faire comme s'il y avait un passage piéton. Je trouve ça plutôt joli. Donc déjà ici on a une route. Alors, pour délimiter la route, on va utiliser de la clé jaune. Et on va faire une ligne jaune, comme ça. Juste pour la décoration. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, me direz-vous? Et bon, on va partir maintenant de ce côté-là. Vous allez laisser un de vide et vous allez poser une dalle. Et vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Parfait. Et là, on va faire une sorte de bac à fleurs, si je peux appeler ça comme ça. Donc, on va faire une sorte de rectangle comme ça, vide au centre, avec nos dalles. Utiliser un peu de graisse. Et on va poser de la bonne mire sur le dessus. Voilà. Si je pourrais avoir une petite fleur, ça m'arrangerait. Allez, quoi, une petite fleur, les amis. S'il vous plaît. Oh là là. Ah ben voilà, une petite fleur. Alors, vraiment une toute petite fleur. Donc, n'hésitez pas à poser les fleurs à la main. Donc, ça, c'est juste pour avoir un peu d'air dur. Donc, pour relier le pot, on va aussi poser des dalles, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre votre laine bleue pour faire un petit rappel de couleur. Et là, on va faire. Ici, on aura un parking. Donc, on va faire la petite cabane du gardien du parking. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un carré avec un trou au milieu. Ici aussi, un carré avec un trou au milieu. Un carré avec un trou au milieu. Et ici, on va juste tout fil. Voilà, parfait. On va prendre des glaces panel blanches, des escaliers et des dalles. Et on va déjà poser nos vitres. Et ici, on va rajouter un petit toit. Hein, donc, tout ce qu'il y a de plus simple. On va mettre des escaliers sur le truc du milieu. Une ligne de dalle ici. Et une ligne de bloc là-haut. Vous voyez, c'est tout simple, mais ça rend assez bien. Et bien sûr, on n'a pas fini. Parce que, puisque c'est la petite cabane, ici, il est censé avoir la barrière qui se lève. Vous voyez, pour faire passer la voiture. Donc, on va poser un entonnoir d'un côté. Parfait. Une cobblestone wall de l'autre. On va prendre du jaune et du noir, des fils. On va relier tout ça avec des fils. On va poser noir, jaune, noir, jaune, noir, jaune.
Et donc on a notre barrière. Donc ça fait un peu l'endroit où elle s'abaisse et là c'est elle peut monter et descendre. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais à obtenir. Donc c'est parfait. Ensuite, ici, on va pouvoir attaquer par les places de parc. Alors les places de parc, c'est très simple, on va commencer ici. On va tirer 1, 2, 3, dalle, un d'espace, 1, 2, 3. Un espace, 1, 2, 3, un d'espace, 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 1, 2, 3, et un d'espace. Parfait. Et ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est simplement tout compléter, de faire les lignes entre les places de parc. Donc c'est assez simple, c'est exactement la même taille que le bac à fleurs, donc on fait quelque chose comme ça, on laisse 3 d'espace, et à chaque fois, entre nos dalles, on a mis ça. On met des blocs blancs. Pourquoi est-ce que je mets des dalles au bout? Ça fait un peu le bout de la place de parc, une sorte de pare-choc pour pas que ça aille trop loin. Et je trouve que ça découpe assez bien le parking. Après là, j'utilise des blocs blancs pour délimiter. Vous pouvez utiliser des blocs jaunes, ça rend aussi assez bien. Donc voilà. Je finirai hors caméra toutes ces petites zones. Très bien. Ensuite, ici derrière, on a un espace qui est pas très très utile. Mais bon, c'est à cause du relief du bâtiment, on a quelque chose d'assez vide. Donc, pour éviter de le laisser vide, on va pouvoir mettre des nœuds de blocs. On va les empiler un peu n'importe comment, hein, vous voyez. On va les empiler un peu comme ça. On va faire des tas de nœuds de blocs. Les nœuds de blocs qui représentent assez bien des caisses, un peu de matériel fermé. Donc, c'est comme s'il y avait un dépôt de matos ici derrière. Donc, ça peut rendre assez bien. Quelque chose comme ceci. Hein, voilà. Vous voyez. Une sorte de dépôt de matos. Donc comme ça, vous avez déjà bien rempli un espace assez facilement, sans trop de cramper. Donc voilà. Et petit ajout, et dernier ajout pour l'extérieur, c'est qu'on va poser un magnifique panneau pour signaler notre poste de police. Enfin, j'ai oublié, mais on va faire plutôt deux trucs. Alors d'abord le panneau. Alors, vous prenez les cobblestone walls, vous les tirez sur 4 de haut. Et vous laissez 5 d'espace entre 2. Et 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Moi je le mets ici, mais vous pouvez refaire le même panneau un peu plus loin ou sur le toit, c'est vous qui voyez. Moi je le trouve bien là, donc je le fais là. Ensuite, on va utiliser la laine bleue. Alors la laine bleue, c'est assez simple. On tire une ligne et on fait un L. Près de l'autre côté. Tac, 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 un L. Voilà. Et à l'intérieur, on va poser des blocs d'or ou bien tout autre bloc blanc pour faire une sorte de plaque de police, vous voyez? C'est pour ça que j'utilise l'or, parce qu'elles sont souvent super dorées, les plaques de police. Donc voilà, bon, sûrement, si vous êtes en survie, voilà, ben, ça risque d'être chaud, donc poser de la laine blanche, ça va très bien aussi. Et ici, vous recouvrez juste avec des carpettes pour faire comme il y avait quand même une petite zone bleue au-dessus du badge. Et petit ajout, on peut rajouter des torches là-haut pour la lumière et pour faire comme si le panneau, il avait de chaque côté des trucs qui finissaient en pointe, un peu dorés comme ceci. Parfait. Et ici, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier élément, c'est-à-dire vous posez un cobblestone wall, vous promenez des barrières de base, et on va tirer ça vers le haut. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11, 12. On est fou. Parfait. Et là, on va faire un petit drapeau. Donc, vous posez un bloc. On va venir s'appuyer comme ça avec un bloc et vous en tirez deux. Comme ça, on a une sorte de petit drapeau qui flotte dans le vent pour signaler aussi la police. Donc vous pouvez soit faire ça rend aussi assez bien, soit carrément faire un long long drapeau, faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Moi je préfère le drapeau que je vous ai montré au début parce qu'il fait pas trop long et il fait assez réaliste comme pour flotter dans le vent. Parfait. Ici aussi, petite touche finale, vous pouvez très bien rajouter quelque chose ici. Parfait, donc notre extérieur est terminé. Il faudra juste que je remplace le place de parc ici. Mais sinon, il est terminé. Et donc, ici, on va pouvoir s'attaquer à quelque chose d'autre qui est l'aménagement intérieur. Alors, pour l'aménagement intérieur, il va d'abord falloir commencer par définir des étages. Donc, on va commencer par faire les plafonds et les sols. Alors, vous allez prendre du spruce wood pour faire les parquets d'à peu près tout. Et donc, on aura d'abord un parquet à cet étage qui va recouvrir l'herbe, donc qui va s'appuyer sur toute cette longueur-là, à part ici. Hein, le garage, on va le laisser comme il est, comme ceci. Parfait. Donc, tout ça rempli en spruce wood. Ici, au fond, vous allez remplacer ça
par de la stone. Ok? Donc ici stone, ici quelque chose comme ça. Au deuxième étage, on va garder le même sorte de plancher. Donc à cet étage, on va rajouter un parquet en spruce wood. Et petite chose qu'on fait pas souvent, mais là on va faire un double parquet en spruce wood. Si vous êtes en survie, n'hésitez pas à utiliser des dalles, ça vous coûtera moins cher. Donc un double parquet en spruce wood pour avoir des étages pas trop hauts et pour pouvoir cacher des choses dans le plafond. Voilà, parfait. Donc ça aussi, tout ici. Et comme avant, ici ça sera coupé. Et de l'autre côté, ici, on va faire un parquet en andésite. Tout ce qu'il y aura ici sera en andésite. Très bien. Parfait. Ici, vous allez laisser ouvert cette zone ici, mais cette zone-là, il va falloir faire un mur. D'accord? Donc petit résumé. Un mur ici. Ici, parquet en bois. Parquet en bois. Ici. Seul en andésite, mais ici, cette zone ici carrée, on va la laisser ouverte, à part ça qu'on va devoir fermer. Et vu le bruit que j'entends, on a la pluie, donc je vais enlever ça tout de suite parce que c'est assez dérangeant. Donc voilà. Et on va rajouter notre dernier petit parquet. Parquet qui sera à cette hauteur-là, et donc là, un simple parquet, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Et encore un dernier truc. Ici, on va de nouveau faire une sorte de faux toit pour avoir aussi du bois qui se rappelle en haut, donc avoir deux fois la couleur. Donc vous allez aussi ici tout remplir de bois. Donc un parquet là, un parquet là, un parquet là, un parquet là, et là-bas, stone ici au fond, andésite là, un mur là. Et je fais les places aussi à l'extérieur, et je fais ça, et on se retrouve juste après. Et on se retrouve, donc j'ai fait nos petites places de parc là, j'ai fait tous les parquets. Vous pouvez voir ici de la stone que je vous avais demandé de placer. Pour l'instant, on va mettre des lumières assez, hein, assez, qui n'ont pas resté longtemps. C'est juste pour pouvoir travailler ce sol. Donc ici, on a un sol en stone. Le problème, c'est que je trouve pas très, ben, trop régulier, hein. Vous voyez, cette texture régulière, ça fait pas forcément joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser des blocs un peu aléatoirement, totalement aléatoirement comme ça-ci. Voilà. Et on va remplacer par de l'andésite, qui est exactement dans les mêmes teintes. Qui n'a pas la même texture, ce qui va donner quelque chose d'un peu plus, avec un peu plus de relief, qui n'a pas cette texture monotone que pourrait avoir la stone. Voilà. Déjà quelque chose qui est beaucoup moins monotone. Et dernière petite chose, vous allez prendre des minerais de charbon en survie. Ne le faites pas. Enfin, vous pouvez si vous avez une pioche Steel Touch, sinon ça vous prendrait des heures à en trouver. Mais vous posez quelque chose. Quelques petits blocs de charbon comme ceci, par ici, par là et par là, pourquoi pas. Juste pour avoir quelque chose. Ouh, ça c'est trop drôle, je trouve. Pour avoir une. Comme quelque chose. Ouh là, non mais. Je les trouve trop alignés, ça m'énerve un peu. Voilà. Donc quelque chose qui attire l'œil un peu, vous voyez. Comme s'il y avait un peu d'huile de moteur qui avait coulé ou quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez. Et là, j'ai oublié une ligne. Ici, on a notre garage. On y reviendra plus tard pour la déco. Et donc, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la déco du bâtiment. Ici, on a notre grand truc avec notre grand hall central. Et au lieu de commencer par la porte d'entrée, je vous propose de commencer par quelque chose qu'on pense pas forcément à commencer, mais qui est normalement une bonne idée quand vous construisez quelque chose. C'est la cage d'escalier et l'ascenseur, parce que c'est toujours ce qu'on fait au dernier moment et des fois on a cassé des trucs. Donc, toujours poser ça au début. Enfin, je vous conseille. Vous allez faire quelque chose comme ça. Vous tirez 4, aligné avec le mur. 2. Pas trop compliqué. Vous suivez. Vous êtes avec moi. C'est bien. Et vous tirez ça jusqu'en haut. Comme ceci. Parfait. Donc ça sera notre cage, notre ascenseur. Ici, vous remplissez, vous remplissez. Vous prenez un escalier. Vous posez ça comme ceci. Parfait. Vous prenez de la laine grise et vous la posez. Ici, parce que vous verrez après pour le reste de la déco. Oula, ma souris ne veut plus fonctionner. C'est ça, c'était ça, ce long silence. Ouh, madame la souris, merci. Donc, pour le reste de notre déco, on va utiliser vraiment le gris pour tout ce qui est tapis, car je trouve que le gris foncé fait vraiment quelque chose d'assez moderne et d'assez joli. Donc voilà, dans notre cage d'escalier, on va poser les portes de l'ascenseur depuis l'intérieur, et vous allez pouvoir poser
des places plate ici et ici. Voilà, donc notre cage d'ascenseur. Vous pouvez très bien, et c'est ce que je vais faire, la signaliser avec des petits panneaux. Alors ici, on met d'égal pour délimiter la chose, lift en anglais, plutôt qu'ascenseur, ça va plus vite à écrire, parfait. Et ici, soit vous recrivez lift, soit on va faire, allez, soyons fous, j'ai envie de vous dire. On va faire une sorte de petite chose comme ça. Voilà. Alors, oula, pardon. Toutes ces choses que je fais ici, ces symboles, c'est tout avec la touche numéro 7. Donc, vous mettez une fois majuscule, une fois c'est Alt, Alt et la touche 7, et une fois c'est Alt, Maj et la touche 7, et ça va faire une flèche comme ça qui monte et qui descend pour ouais, signifier l'ascenseur. Hein, c'est pas du grand art non plus, mais c'est juste pour la déco. Et on est pardonné. Donc, ici, on va continuer. Est-ce que j'aurais fait une connerie quelque part? Je suis en train de me poser une question. Et là, je suis en effet torturé. Donc je vais faire un petit look sur mes plans et on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve, excusez-moi de la petite interruption un petit peu embêtante, je vous l'accorde. Donc on va pouvoir, j'ai tout analysé le problème, j'ai trouvé où il était. Et donc on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Tirer une porte et tirer une autre porte ici. Comme ceci. Vous voyez? Une sorte de double porte. Ensuite, on va utiliser du verre blanc. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien qu'au-dessus de la porte, en fait, on ait une vitre. Pour en fait rendre un peu nos salles plus aérées, plus ouvertes entre elles. Et donc, ici, ça va être assez simple. On va mettre ici un item frame ici dedans avec un escalier. Pour là, ça sera la cage d'escalier. Et ici, on va mettre simplement un solo, un water bucket, simplement pour signifier les toilettes. Bah oui, il en faut bien, même dans les postes de police. Hein. Ensuite, ici, on va pouvoir attaquer donc notre escalier. Donc, on va prolonger le mur ici. Il va coller à la vitre, ce n'est pas très très grave. Ça se voit presque pas depuis l'extérieur. Donc, un escalier, ici. Poc, poc, poc. On escalade. On va casser ce qu'on a au-dessus de la tête. Pac, 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 pac. Comme ceci. Et on va arriver directement ici. Voilà. Donc ici, on a notre cage d'escalier. Parfait. Et ici, on aura après la cage d'escalier qui va arriver depuis les cachots. Donc cette cage d'escalier, on va pouvoir continuer quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir relier avec un tapis toutes ces portes. C'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Voilà. Donc toilette, tac, tac. Les toilettes maintenant. Alors les toilettes, ce qu'on va pouvoir faire dans les toilettes, c'est utiliser une petite technique pour faire des lampes qui rend assez bien. Vous allez prendre une Z-Lantern ou toute autre chose qui fait de la lumière. Vous allez prendre des trapdoors en fer et des dalles en bois. Et ce que vous allez faire, c'est que celui du mur, vous allez le casser, vous allez poser des dalles, quelque chose comme ça, et ça va vous rendre une petite lumière d'ambiance. Parfait. Ensuite, on va poser ça comme ça, qui représente un toilette. Soit ça, soit un entonnoir. Un qui a plutôt la forme d'un toilette, mais pas la couleur d'un toilette. Et l'autre qui a plus la couleur d'un toilette, mais pas la forme d'un toilette. Donc à vous de choisir ce que vous trouvez le plus beau. Et au-dessus, vous allez poser une laine brune. Voilà, comme ça, pour faire une sorte de lunette. Dernière chose que je peux vous proposer, mais donc j'y pense, je n'y avais pas pensé avant, mais prendre une petite pellicule de neige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc juste avant d'arriver en, poser quelque chose comme ça. Donc ça vous fait une sorte de toilette en fait, avec le petit espace que vous avez souvent entre la lunette et tout, donc ça vous rend assez bien. Ensuite, on va pouvoir faire quelque chose. Oui, mais quoi, me direz-vous? Eh ben,
Ça, c'est seulement si vous êtes en créatif et que vous aimez les commandes. Vous avez bien vu, j'ai caché un petit coffre ici qui sera le coffre des têtes magiques. Et dans ce coffre, eh ben, j'ai posé toutes les têtes qui nous serviront. Donc toutes les commandes sont à la description. Donc avec chaque fois ce que ça représente. Et donc ici, on a une tête. La tête de Horti Bortorti. Oula. Donc Horti Bortorti qui représente, attention les yeux, paf, un rouleau de PQ. Tout simplement. Donc, pour une question réaliste, on peut avoir un petit rouleau de PQ comme ça dans vos toilettes. Ça va assez bien. Si vous êtes en survie et que vous voulez aussi poser un rouleau de PQ, ce qui est compréhensible, vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je réfléchis. En 1.7, ça marchait bien. De pile à 1.7, ça rend un peu moins bien. Le problème étant que les blocs dans les item frames ont rapt ici. Mais vous posez un item frame, un bouton. Quelque chose comme ça. Et un pilar de ce côté, ça fait un peu le rouleau de PQ que vous pouvez dérouler de sa chose qu'on accroche. Et puis donc ça arrange, c'est bien. À vous de voir. Donc on va laisser notre petite toilette comme ceci. Alors time set day pour le jour et on va pouvoir continuer à attaquer. Alors, n'oublions pas qu'ici on aura un escalier plus tard. Donc on va pouvoir attaquer ici. Donc un escalier en spruce wood qui descend ici. Et ici on va pouvoir passer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir passer, me direz-vous? Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui. Ici on va pouvoir agrandir ça comme ça. Agrandir ça comme ça. Agrandir ça comme ceci. Donc on va faire une sorte de porte ici. Et on va faire quelque chose comme ça. Ça ici. Et ça ici. Et donc, ici, on va pouvoir poser. On va faire une sorte de petite cafette. Une petite cafette. Oui, une petite cafette avec du café et tout pour les flics. Et donc, on va pouvoir. Vous allez simplement faire quelque chose comme ça. Prolonger les blocs. Paf. Ici, un frigo. Paf. Donc, un frigo, une petite porte sur le devant. Parfait. Ensuite, petite pause. Désolé, petite coupure, mon store qui commençait à frapper à ma porte. Donc, à cause du vent, parce que vous l'entendez peut-être, il y a beaucoup de vent. Et donc, on va pouvoir tranquillement continuer notre petite cafette. Donc, pour la cafette, on va faire quelque chose de simple. Ici, poser un entonnoir, de l'eau, pour faire une sorte d'évier. Parfait. On va poser une machine à café. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, un brewing stand, donc un stand d'alchimie. Et on va pouvoir le poser ici, qui fait une petite machine à café. Ensuite, un flower pot. Ici pour la déco pour faire une tasse à café. Voilà, donc là on a un peu tout l'arsenal du café. Ensuite, on va pouvoir utiliser la technique du string. On va poser un string ici et quelque chose comme ça. Donc des étagères. Au-dessus, on va utiliser, je vais venir le prendre ici, des blocs pour faire des étagères un peu plus grosses. Parfait. Donc, et là, vous allez juste rajouter ça pour avoir pas un problème de hauteur. Ici, on va pouvoir mettre des placards comme ceci, les item frame et tapis. Ici, aussi un placard. Et ici, oui, aussi un placard. Voilà, avec la poignée sur le côté. Voilà, donc ceci sera notre petite cafette. L'escalier qui va arriver ici. Donc ceci, vous allez pouvoir le recopier sur les trois étages. C'est vraiment un module qu'on a sur les trois étages. Donc sur les trois étages, on aura des toilettes, l'escalier, l'ascenseur et la petite cafette. Donc on recopie ça sur les trois étages et on se retrouve juste après. Et on se retrouve, donc j'ai fait, comme vous pourrez le constater, nos escaliers sur toutes les hauteurs. Sauf que j'ai encore oublié d'ouvrir le parquet. Donc hein, ça c'est légèrement embêtant. Pas plus que ton non plus. Donc hein, on a vraiment notre escalier sur toutes les hauteurs. Oula.
Laisse-moi passer, fourbe brigand. C'est juste ici, vous voyez, on a une hauteur de moins pour monter. Donc là, juste changer l'escalier ici, la porte là, donc on aura une petite, un peu plus une grande place ici. Donc c'est vraiment easy. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au reste de la déco. Donc vous voyez, les escaliers ici sont assez moches. Parce que vous voyez, on a ça. Donc on va poser juste des escaliers à l'envers. Histoire de rendre la descente un peu plus jolie. Donc on va redescendre ici. Pareil. Ici aussi. Comment on va faire? On va faire une descente avec des escaliers à l'envers. Tic. Pareil là. Non, là c'est pas obligatoire. C'est ça comme ça. Voilà. Pour les ascenseurs. Si vous voulez avoir des ascenseurs fonctionnels. Alors, si vous êtes en survie, pourquoi pas mettre une échelle, je pense que c'est le plus simple. Sinon, un ascenseur à main-carte, qui peut aussi être pas mal, hein, comme dans Holy Cube, si vous suivez la série. Le truc, c'est que je ne suis pas sûr si la... Je crois que la hauteur est trop haute pour un ascenseur à main-carte. Et sinon, n'hésitez pas aussi à poser, si vous êtes en créa, des command blocks et des boutons, avec des commandes de TP pour vous TP chaque fois un peu plus au-dessus. Moi, je vais laisser ça comme ça. C'est vraiment juste pour la décoration, en fait, cet ascenseur. C'est pour ça que je vais laisser ça comme ça. Et donc, ben, les amis, je vous propose qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous avais dit qu'on ferait tout l'aménagement dans cet épisode, mais il devient vraiment, vraiment trop long. Et donc, ben, je sortirai la troisième partie dimanche. Et jusqu'à là, on se dit à la prochaine. Ciao!